bien, première petite vidéo de mon Horus Tour 2024, où je retrouve Idriss, Avant de te retrouver. que vous connaissez, hein, on a fait de belles vidéos ensemble, Ouais, sur le code sur Matrix. le code de la matrice, Voilà, exactement. donc nous sommes en Haute-Garonne, dans la ville rose de Toulouse, De Toulouse. hein, Ouais. que tu as la gentillesse de m'accueillir. Ouais, avec plaisir. Voilà, et puis tu m'as proposé de me faire une petite visite, on va dire ésotérique, de la ville de Toulouse. On va essayer ésotérique. Alors, parce que il y a une particularité à Toulouse, c'est que j'ai l'impression qu'elle est ésotérique, mais tout est caché. C'est-à-dire qu'on ne montre pas. Mais on donne des petits indices. Notamment, par exemple, là, on est à la basilique Saint-Servin, là, tu Ouais, vois. une belle basilique qu'on a Voilà. visitée tout à l'heure. Voilà. Et tu remarqueras que c'est que la tour, c'est le clocher, enfin, la tour, c'est un octogone. Forme octogonale, exactement. Octogonal, exactement. Et en haut, il y a un petit coq. C'est en lien, les deux sont en lien. Et tu as vu, le ternaire est marqué. Tu as vu, il y a les arcades. Et le ternaire est marqué aussi. Tu vois? Et après, ça monte 3, et tu as vu, 5, voilà, il y a les colonnes. Et ça, pour moi, ça signifie des choses. Ça signifie un secret hermétique, ésotérique, caché. D'accord. Parce que pour moi, le chiffre 8, c'est Hermès. Et Hermès, c'est des choses cachées. C'est le dieu des choses cachées, des connaissances cachées. OK. Et Hermès, ce qu'il y a d'intéressant avec Hermès, c'est que c'est un dieu double. Parce que le coq est aussi un attribut d'Hermès, le coq. D'accord. Donc il est double. On a vu que c'était les briques sont roses. Mais Hermès, il a une particularité, c'est qu'il est double, et donc c'est le noir et le blanc. Oui. On a donc du sous-entendu noir et blanc, même si le blanc est présent là. Et la brique rouge, c'est les trois couleurs hermétiques. Alchimique. Alchimique, oui, pardon, alchimique. Exactement. Mais bon, l'alchimie, c'est aussi Hermès, c'est le papa de l'alchimie. Exactement. Donc voilà. Donc pour moi, on montre, c'est comme ça, Toulouse. Et la ville rose, quand on pense rose, on pense Rose-Croix. Oui, aussi. Donc il y a bien des choses. Et les Rose-Croix, ils sont les papas de ce qu'on appelle les noces chimiques au XVIIIe siècle, il me semble, c'est ça, les Rose-Croix. Et donc voilà. Donc pour moi, il y a des petits secrets à Toulouse cachés, bien, très bien cachés. Parce que Toulouse a une histoire ésotérique, riche, mais elle transparaît pas, en fait. À part quelques endroits comme ça Ouais, tu me où. disais, t'as essayé de creuser un petit peu, mais tu Ah, vois. je n'ai pas trouvé, à part une demeure philosophale qui est un On peu va aller plus. voir, tu vas me faire voir tout à l'heure. Voilà. Ouais. Et la place du Capitole qui nous dit des choses aussi, par la Nous, on va aller symbole, aussi. voilà, par le nombre. Mais il n'y a pas grand-chose, en Il n'y a fait. pas On grand-chose. a vu un truc tout à l'heure là qui était intéressant, mais bon, ça, c'est pas lié à l'alchimie, c'est peut-être lié ou à l'hermétisme ou à l'ésotérisme. Mais c'est pas très. Ça parle pas beaucoup. Ça parle pas beaucoup. Ah, c'est caché. Ouais, c'est caché. Moi, c'est l'impression que ça me donne. Parce Après, qu'il y a des peut-être. endroits, c'est codé, mais là, c'est caché. Là, c'est caché, ouais. On dit ce qu'on est, mais on vous montre rien. Faut aller chercher, peut-être. Faut être invité. Parce qu'il y a un gars, alors je sais pas si tu connais, on en a parlé un petit peu, donc la Morque, un rosicrucien, donc c'est plus récent que la Rose-Croix. Et il a créé donc la Morque, et il a dit que sa connaissance ésotérique Lui était venu de Toulouse. de Toulouse. Donc c'est qu'il y a bien Tu quelque vois? chose Et notamment Christian Doumer qui en parle de ça, dans une de ses vidéos. Il parle de cette histoire. Il a écrit un livre, le gars. Hein. Et je sais plus, dans une de ses conférences qu'il a fait récemment. Tout son savoir ésotérique, il est passé par plusieurs villes d'Europe. On lui a indiqué Toulouse, 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 Toulouse. Et son savoir rosicrucien, apparemment, c'est à Toulouse qu'il a reçu. C'est qu'il a reçu. Parce qu'au XVIIIe siècle, il y a eu un arrivage, ce qu'on appelle les derniers. Rose-Croix, apparemment, il y avait tout. Il y avait des Rose-Croix sincères, il y avait des Rose-Croix escrocs, mais beaucoup sont venus à Toulouse. Beaucoup sont venus à Toulouse. C'était les derniers Rose-Croix, quoi. Ah, merci de m'accueillir. Je t'en prie, avec plaisir. Et puis on va continuer notre petite visite. Voilà, On va à avec la plaisir. place du Capitole, c'est ça? Tu vas aller à la place du Capitole, ouais? Ah bah on y Allez, va. on y va. Allez, c'est Allez, parti. c'est parti. Donc Idriss. Ouais, donc on arrive aux places du Capitole. Tu vas voir, tu vois, c'est une place tout à fait rose. Mais elle n'était pas comme ça. Au siècle dernier, elle n'était pas comme ça. D'accord. C'est des bâtisses de béton, sauf bien sûr le Capitole, le Capitolium. Lui, il était comme ça. Capitalium. Ouais. Et ils ont tout fait en rose. Ils ont tout refait. D'accord. Parce que j'ai trouvé des photos du début du siècle dernier, quand même du milieu du siècle dernier. Et c'était des bâtiments normaux, quoi, en béton blanc. D'accord.
Et donc, ils ont fait tout. Tout a été refait. Couleur rose. Couleur rose. Et on ne peut pas s'empêcher. Dès qu'on entend rose, on entend rose-croix. Rose-croix. Et tu sais que les Wachowski mettent en avant la rose-croix aussi. Parce que dans leur film qui a été aussi un bon succès, c'est V pour Vendetta. Oui. Le bonhomme se balade avec une épée et une rose. Et l'affiche, c'est une rose qui fait une croix. Avec l'épée. Avec l'épée. Donc, le lien, le rose-croix. Le rose-croix. Et Squid Game, c'est pareil. Mm-hmm. Tu sais, c'est. Tu l'as pas vu, tu as toujours pas vu la série Squid Game? Non, j'ai toujours pas vu. Pour ceux qui l'ont vu. Je suis à la bourre. Il y a les gens qui vont. Qui sont pris, enfin, qui sont. Ils meurent tous et on les met dans des cercueils. Mm-hmm. Et sur les cercueils, qui sont en noir, et il y a un bandeau rose avec une fleur. Une rose. Une rose croix, en fait. D'accord. Aussi, tu vois? Donc, là, même ouais. Dans Squid Game, tu vois? Ok. Et donc, on arrive là et. Et donc pourquoi rose, pourquoi on insiste, tu vois, moi, quand on insiste sur quelque chose, je me dis, on est en train de nous dire quelque chose. Oui, mais comme tu le disais, c'est pas codé, c'est caché. C'est caché, ouais. Une espèce de code du pauvre, je dirais. Peut-être du pauvre, pas du pauvre, mais on signifie bien, parce que bon, nous, on travaille sur le nombre 114, tu le sais. Mm-hmm. Oui. Et alors justement, tu me disais, on retrouve ce nombre. Ouais, ouais. Et on le retrouve là. Alors, explique-nous, on va s'approcher. Déjà, 114, on a vu que c'était un ternaire. Oui. Et un ternaire, on va s'approcher, Botin. Un ternaire, c'est un triangle. Oui. Donc, en haut, on a un triangle. OK. Et 114, c'est le 1 qui est double. Oui. Et puis, on a 4. Oui. Et là, on a deux colonnes doubles qui se répètent 4 fois. Je veux dire. Ouais, tout à fait. Et 114, c'est un nombre gnostique. On le sait maintenant que c'est gnostique. C'est lié au gnosticisme. Parce que c'est l'évangile de Thomas, l'évangile secret de Thomas. C'est le nombre du Coran. Enfin bon, tu vois, c'est. C'est une première piste pour moi. Mm-hmm. Tu vois. Et en bas, il y a un zodiaque. Tu verras, il y a un zodiaque. Et il y a un lien entre le nombre 114 et le zodiaque. C'est un lien. Ah, tu vas nous expliquer tout ça. Ça va être intéressant. Ouais, ouais. Et donc, voilà, tu vois, c'est. Alors on va aller voir ce fameux zodiaque. Hein. Mais il est au sol. Il est au sol. Ouais. Ouais, on va aller voir ça. Ouais. Et donc ce zodiaque, on le voit, il est répété là-bas. Tu vois, c'est la croix occitane. D'accord. La croix occitane, c'est un zodiaque. C'est une croix avec trois points qui se répètent trois fois, 4, 12. À quel endroit? Mais tu vois les petits écussons là? Ah oui, 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 d'accord. Partout là. Ah oui, en fait, au bout de chaque pointe de la croix, tu as trois petits points. Voilà. D'accord. Donc oui, ça nous aura 12 et. Voilà, 12. Les et quatre maisons du zodiaque. Ouais, ouais. Ok. Exactement. Okay. Et donc, au niveau du sol, en effet. Tu vois là, il y a des. En bas. Alors, tu le reconnais celui-là Alors, celui-là, c'est le signe du Gémeaux, non, je crois. Non. Il y a le cancer, là? Le cancer, oui, ouais. Ça c'est. On connaît bien. Ok. Tu vois, il y a le. Le lion. Le lion, voilà. Ok. Ah ouais, il faut que je trouve le mien, le Verseau. Alors, s'ils sont dans l'ordre, hein, voilà. Alors là, on a le Sagittaire. Si je dis pas de bêtises, avec la flèche. La Balance. La Balance, le Scorpion. Ah oui, et ça fait une croix occitane au niveau du sol. Et ça fait une croix, tu le verras, tu. Ah oui, d'accord, si d'accord. Veux, ouais, là, on voit bien. Voilà. Avec à chaque extrémité de. Donc on a rose croix. Oui. Rose croix. Mm-hmm. Tu vois. Et qu'est-ce qui lie le nombre 114? Parce que là, bon, là, pour moi, c'est évident. Parce que tu sais qu'on retrouve. Parce que je sais que je suis un peu dans un délire des. Mais par exemple, je t'avais dit, tu sais. Rennes-le-Château, c'est dans l'Aude. Oui. Je t'avais dit que l'Aude, c'était le 11e département. Oui. Il y avait 4 lettres. Oui. On a 11 lettres. 114. Le tarot, c'est pareil. Mm-hmm. Le tarot, on a 22 lettres majeures et 56 lettres. Lames, pardon. Oui, l'arcane majeur, voilà. Et 56 lames. Donc 2 plus 2. 4. Et 5 et plus 5, 6. 11. Ok. Voilà. Et à la Mecque, on a la même chose. Ouais. À la Mecque, on a un cube. Et sur les quatre faces, il y a 11 points qui sont dessinés. D'accord.
114 toujours, 114. Ce fameux 114. Voilà, qu'on retrouve un petit peu partout. Et donc, le lien qu'on peut faire avec le nombre 114 et le zodiaque, c'est que je t'avais dit que, tu te rappelles, le zodiaque, le nombre 114 s'inscrit dans un ternaire. Oui. Tu sais, 114, c'est les combinaisons numériques. Oui. 114, 141, et son miroir de 114, c'est 411. 411. Parce qu'il revient le 411 souvent. En petite parenthèse, dans Total Recall, pour ce qui est avec Schwarzenegger. Avec Schwarzenegger, à un moment donné, bon, il fait l'opération de la mémoire là, et il choisit une femme pour son aventure. Oui. Une brune. Oui. En fait, son numéro c'est le 41A. Première lettre de l'alphabet. 411. 411. Pourquoi 411 on le dira après. Ça, parce que ça rejoint un petit peu. J'en avais parlé avec tu l'as reçu il y a pas longtemps, Christian Cambois. Oui. Un petit peu, on s'était croisé une fois, vite fait, on avait spéculé un petit peu dessus. Mais il expliquait, lui, qu'il divisait le 411 par 3, il obtenait 537. Et t'as reçu monsieur 137 il n'y a pas longtemps. Exactement, voilà. Jérémy. Et lui, on a spéculé que c'était peut-être la hauteur de la pyramide. Sans son capuchon, mais en nombre oui, entier. Sans la pointe. Sans la pointe, 137, voilà. 137 mètres. Donc on avait spéculé ça. Mais c'est 137, il y a une petite particularité, c'est que 137, c'est la valeur numérique du mot kabbal en hébreu. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on passe de l'autre côté du miroir et on passe dans l'ésotérisme et bon, on verra, on développera. Donc, je t'avais dit que donc c'est ce ternaire, 114, 141, 411, on obtient, si on additionne, 666. Ok. Et donc, 666, ça fait 9 en réduction numérique. Mais quand tu multiplies, tu fais 6 fois 6 fois 6, tu obtiens le nombre 216. Tu rajoutes un 0, tu as une ère zodiacale. Pas mal. Tu vois? C'est sous-entendu. En fait, il faut. 2160 années, une ère zodiacale. Ils font toujours comme ça. Ouais, ouais. Okay. Ils nous disent. On vous donne une piste. C'est comme une équation mathématique, tu sais. On doit boucher les trous. Oui. Tu vois? Voilà. Comme les. Ça s'appelle ce jeu-là. Où tu dois boucher les trous pour retrouver la bonne combinaison. Et rappelle-toi. On avait dit le nombre 114, donc on l'a là. Et donc, rappelle-toi que ça veut dire connaissance cachée, parce qu'elle est liée à Jésus et à son évangile de Thomas, qui sont les paroles secrètes de Jésus. Et en arabe, on dit que c'est des hadiths, ce sont les dits de Jésus. Ce sont les hadiths de Jésus. Hein? Et donc, ce nombre 114, il signifie la connaissance cachée, mais qu'on doit aller chercher, comme je disais tout à l'heure. Il faut aller chercher. Il faut vraiment aller la chercher. On nous laisse des pistes, des trucs faciles à trouver, mais il faut les chercher. Donc le 114, tu te rappelles, je t'avais dit 114, Notre-Dame de Chartres, le labyrinthe. 114, incrimination. Voilà, enfin, indentation. Dentation tout autour. Mais il n'y en a que 113 qui sont indexés. Comme le Coran, 114 chapitres. Il y a voilà, pareil. Mais il y en a 113 qui sont indexés. Ça rejoint le cercle. Parce qu'en fait, on nous indique un cercle dès le départ. Avant d'arriver au zodiaque, on nous indique un cercle. Et on avait dit que le 114, c'était un ternaire, et ça se demandait 314. La valeur approchée depuis fois 100, d'accord. On avait poussé le truc, je t'enverrai les slides, parce que Marie-Madeleine est fêtée, elle est liée au nombre 114, et elle est fêtée par les catholiques le 22 juillet, le 22 septième, c'est 314. 314 aussi, ouais, bien vu. Bien d'accord vu. Mais on a un petit jeu de nombres à Chartres, avec le labyrinthe et le Coran. Fait 114 plus 113. Ça fait combien? Alors, 227. Voilà. Ouais. on a 22 septièmes. 22 septièmes. Le rapport 22 septièmes, qu'est-ce qu'il signifie? Ça veut dire que... C'est important, mais ça veut dire que le Coran, il est verrouillé par le nombre pi. Comme la Bible. Comme la Bible, voilà. Ouais, mais non, mais bien sûr, mais c'est pour ça que c'est écrit dans le monothéisme. C'est pour signifier que tout ce qui est avant est aussi verrouillé. Et qu'il faut aller ouvrir petit à petit. La 22e, pour moi, c'est important. Moi, tu vois, 114, 113, tu additionnes, tu obtiens 22e, c'est très important. Et ça, tu l'as, tu sais où? Dans Star Wars. Explique-nous tout. Dans Star Wars, le premier avec Dame Leia. En arabe et en hébreu, Leïla, c'est quelqu'un de très important, c'est un personnage très important. Leïla. En arabe et en hébreu, je t'expliquerai peut-être pourquoi. Il y a un premier vaisseau, elle est dans un premier vaisseau, elle. Oui. Il y a combien de moteurs? Alors là, il y en a 11.
11 moteurs. Ouais. Rappelle-toi, il n'y en a que 113 qui sont indexés. Mmh. Et le second, il y a 3 moteurs. Alors, celui de Vador. Il va falloir que je retrouve la scène et que je l'incruste. Je t'enverrai, je t'enverrai. Ah, oui, je m'envoie le slide. Et tu verras, il y a 3 moteurs allumés et il y a 4 petits. Ce n'est pas des moteurs, mais il y a le 3 et le 4 qui sont signifiants. Tu vois, tout ça, ça veut dire des choses. Et pourquoi, pour moi, ce n'est pas par hasard? Parce que si on continue dans Star Wars, on continue dans Star Wars. Parce qu'on est dans la, on est chez la Rose Croix. Hein, ouais. On continue dans Star Wars. Parce qu'on a parlé de la princesse Leia tout à l'heure. Oui. T'as vu, elle est voilée. Oui. Et t'as vu, toi, t'as remarqué que DDR2, c'est une représentation de la Lune. Ouais. Et c'est 3PO le Soleil. Voilà. Mmh. Et qu'est-ce qu'on obtient quand on fait de l'alchimie? On obtient le fils, l'enfant du Soleil et de la Lune. Exactement. Et on remarquera une chose, c'est que DDR2, il a 3 pieds. Oui. Il a 3 pieds. Oui, oui. Il passe de 2 à 3. Oui. Donc, secret. Bien, 3 bien égale vu. Secret. Et tu remarqueras que DDR2, il est bleu, blanc, et une petite pilule rouge. C'est l'œuvre alchimique. Et il chante comme un oiseau, il siffle comme un oiseau. La langue des oiseaux. Et comment on sait que c'est l'œuvre alchimique? Que DDR2, d'abord, elle se voile quand elle lui parle. Oui, oui, exactement. Elle se voile. Ouais. Le voile, c'est très important. Mmh. Il a mauvaise presse, mais le voile, c'est un signal de la matrice qui nous est envoyé pour nous réveiller. Mmh. Il y a des trucs comme ça, tu vois. Parce que le voile, il est partout maintenant. Pour moi, c'est. Voilà. Et bien, elle se voile pour signifier l'art alchimique qui est voilé. Et donc, il est bleu, blanc, rouge, il siffle comme un oiseau, c'est sa façon de parler, hein. de communiquer. Eh bien, 3 CPO, il est en or. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. C'est l'œuvre alchimique au complet. Ouais. Non, mais oui, j'en avais déjà parlé, Star Wars est bien crypté aussi. Et oui, ouais. Et tu remarqueras que 3 CPO, il a une jambe qui n'est pas comme l'autre. Alors, j'ai vu dans les derniers épisodes où il a un bras rouge. Non, moi je te parle des premiers. Des premiers. Alors, okay. j'ai pas vérifié pour le bras rouge, mais je regarderai. Mais rouge, bon. Mais en fait, c'est lié à, t'sais, à l'initiation maçonnique. D'accord. Je t'enverrai la photo, tu comprendras. Ok. En fait, c'est lié, on voit son genou. Dans l'initiation maçonnique, on voit le genou. Donc, on est bien chez. Il dévoile le genou. Voilà, il y a bien de la franc-maçonnerie, de l'alchimie. Tout est lié. Voilà. On va continuer ce petit zodiaque, tiens. Ouais. Pendant que tu me parles, parce que j'ai envie de trouver mon Aquarius quand même, mon signe. Et y a une particularité chez Marie-Madeleine, c'est qu'elle a plusieurs attributs. Ah, il est là le Sagittaire, excuse-moi. Oui, ouais, ouais. Marie-Madeleine. Je continue, ouais. Oui, oui, vas-y, ouais. Je t'écoute en même temps. Et elle a plusieurs attributs, Marie-Madeleine, et dont les cheveux, tu sais. Oui. Elle a plusieurs, je t'enverrai le slide, tu verras. Ah bah oui. Et les nattes sont son attribut, les nattes. Mm-hmm. Tu vois? Tiens, je te coupe, t'as vu Oui, il est là. Il est là, mon signe, le lacto, et il y a de l'eau qui coule. Ah bah c'est génial, tu vois, c'est génial. Tu vois, mais ouais, tu vois. Mais t'as ça, mais toi, signifie-le ça. Putain, c'est génial, ouais. Voilà. Et c'est une petite synchronicité encore. Voilà. Petite synchronicité. Et c'est quoi ton signe, toi? Je suis là, je crois que c'est le Capricorne. Capricorne, exactement. Capricorne, Verseau, et le poisson qui va suivre. Et voilà, avec l'eau aussi, lui aussi, il a de l'eau. Et lui aussi, il a de l'eau. Et on verra. Bélier. Et on verra comment la princesse Leia est liée à Marie-Madeleine, on verra. Quand on se posera. Ok. Ah non, intéressant, j'avais jamais prêté attention à cette croix occitane avec ces trois points, ouais, tu vois, comme quoi, on en découvre tous les jours. Hein. Ouais, tout à fait, ouais. Et t'as vu, c'est 12 zodiacs. C'est 12. Oui. Eh bien, tu sais qu'il y a un lien à faire avec le dieu du monothéisme. La valeur numérique de Allah en arabe, c'est 66. 6 plus 6, 12. Mmh. Et la valeur numérique de Yahvé en hébreu, c'est 26. 2 fois 6, 12. Donc, on signifie aussi le zodiaque. Mmh. Et la preuve, c'est que le zodiaque, tu as vu, c'est 3, 4. On va demander à Madame la France. Madame la France, dis-nous, dans ton langage, combien
vaut le mot Allah, donc en français? À ton avis? 3-4. 34. 3-4. Ok. Non, mais le français confirme. T'entends, tu comprends? Le français confirme. Et pourtant, on est chez les Hébreux, chez les musulmans, mais le français confirme. Confirme que... Le zodiaque, est, tu vois, c'est important le zodiaque. Et donc, on le retrouve ici. Donc, moi, je pense qu'il y a un lien. Il y a eu des liens qui se sont tissés en Méditerranée. Alors, je ne sais pas comment, hein, mais il y a eu des liens qui se sont tissés. Il y a des messages qui se sont transmis. Oui. Parce qu'il y a des codes comme ça numériques. Il y a une communication entre le nord de l'Afrique et le sud de l'Europe. Tout à fait. Parce qu'il y a eu plusieurs vagues gnostiques. Il y a eu la première vague gnostique qui a été écrasée par par les catholiques. Mais après, il y a eu des tentatives gnostiques. Et puis, boum, il y a un truc qui sort qui s'appelle le Coran. Pour moi, le Coran, c'est une apocalypse gnostique, en fait. Ok. Parce que apocalypse veut dire révélation. Révélation. Et le Coran est une révélation. Et 114 renvoie au texte gnostique, notamment l'évangile de Thomas. Donc, le Coran est une apocalypse gnostique. Et les gnostiques, les chrétiens gnostiques, ils connaissaient le sens caché des textes, des paroles de Jésus, mais pas que, peut-être aussi de Jean, tu vois, des gens comme ça. Et donc, c'est-à-dire que c'est bien que les textes monothéistes sont aussi codés. Voilà. Bien. Très intéressant, Idriss, ce petit décryptage. Et moi, c'est ça que je cherche à trouver, c'est comment ils ont fait pour communiquer. Et le seul lien que j'ai trouvé, c'est le nombre. Bah, c'est universel, hein, de toute manière. Ouais. Il y a des coïncidences, des nombres. Ok. Alors, où veux-tu nous emmener ensuite? Est-ce que tu veux aller voir la maison La demeure philosophale la demeure, ouais. Je veux bien. Allez, on y va. Bon, on c'est parti. On va marcher, par contre. Allez. Ouais, donc là, on arrive à l'hôtel de Pierre, qui est une des seules, alors, je vais dire des rares, parce que j'en ai pas vu d'autres, mais je pense que c'est la seule demeure philosophale, clairement philosophale, à Toulouse. D'accord. Elle est très, 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 très garnie, très, très riche en symboles. Alors là, voilà. Chose exceptionnelle, parce qu'à Toulouse, il n'y a pas ça. Il y a très peu de bâtiments avec autant d'ornements, ouais. C'est ça? Ouais, très peu. Là, c'est très riche. Ouais. Enfin, tu me disais qu'il y avait un auteur qui a écrit un livre. Oui, alors ça s'appelle L'Hôtel de Pierre. L'Hôtel de Pierre. Demeure philosophale à Toulouse. Ok. De Christian Attard. Ok. Alors nous sommes au 25 de la rue des Couteliers. Voilà, 25. Si vous voulez aller voir cette demeure. 25 de la rue des Couteliers, ouais. Alors en effet, il y a beaucoup de soleil, ouais. Des aigles, des lions. Il y a beaucoup de choses qui sont dites, apparemment. Voilà, on voit entre les fenêtres, là, des espèces de personnages. Alors là... Voilà, c'est une femme avec le serpent. Avec deux serpents entrelacés. Et là-bas, c'est le chérubin avec... Et là-bas, c'est des chérubins, oui. Ouais. Il y a une symétrie dans le... Dans le bâtiment, complètement. Ouais. C'est vrai qu'il y a une symétrie dans le bâtiment. Ouais. Et t'as vu, il y a 5 colonnes. Oui. Quelque chose. Et très très bel ornement, hein, bien sculpté, ah ouais. Bien fini. Il était bavard celui qui l'a. Oui, oui. Alors on va pas être en mesure de pouvoir tout décoder parce que là. Pas en temps réel, parce que en arrivant comme ça sur. Devant cette façade, on est un peu pris. Mais on trouvera un peu de temps. Au dépourvu, mais on prendra du temps pour essayer de la décoder. Ouais. Et c'est le. Alors désolé pour le son, mais on en emploie à Toulouse. Hein. Il y a du passage. Cet hôtel a été construit à partir de 1538 par Nicolas Bachelier pour le parlementaire Nicolas de Bagis ou Bagis. Et il tire son nom de la façade de pierre que François de Clary y fit édifier au début du XVIIe siècle. Et puis là, apparemment, c'est écrit aussi en catalan, en occitan. Occitan. Bah, comme partout à Toulouse. Hein. On est très fiers de faire occitan. La langue française, c'est un peu normal aussi. Ouais, ouais. On a voulu l'effacer de l'histoire, quelque part, la langue occitane. Tu vois, là, il y a ces... C'est quoi? C'est des cygnes, non? C'est quoi, là? Les oiseaux. Ah oui, c'est des cygnes. Ça ressemble à des cygnes. Ça ressemble à des cygnes qui mangent...
Du fruitier? Du fruitier, attends. Ah, je sais. Non, il y a un serpent. Hein. Il tient dans son bec un serpent sur celui de gauche. Un insecte. Une abeille, on dirait. À gauche, c'est un serpent. Et à droite, c'est une espèce d'insecte, on dirait, non, à droite? Oui, oui. Oui, ah. Une grosse... bizarre. Une libellule, non? Ouais, non, pas une libellule. Un... Comment on appelle ça? Un frelon? Une abeille, non? Une abeille, ouais, ouais. Apparemment, ce serait... Oui, oui, tu vois, donc, oui, en effet, toi, c'est... Un symbole caché là, ouais. Derrière. Il est très, ouais, il est très bavard celui qui a fait le. Il avait envie de parler. C'est ça. Vous allez m'écouter. Et on va l'écouter. On va essayer d'en parler. Etc. Ouais, non, magnifique façade. Hein. Ouais, pour le coup. Toi, c'est tout. C'est... Donc là, il y a deux femmes, deux hommes. Tu vois, ouais, deux portes, et, avec cette symétrie, hein, mais... Là-bas, il y a une grille à gauche, et là, il y a une espèce de... C'est un enfant, un chérubin, entre les deux femmes. Oui, ouais. Oui, oui. Et là-bas, il y a une espèce de casque. C'est un home, ouais, un casque, ouais, c'est ça. Ouais. Et t'as vu, il y a, et c'est clair, tu l'as vu, c'est Hermès, en fait. Ah oui, avec son caducée. Voilà. Ah oui, on ne l'avait pas vu celui-là. Avec son casque ailé. Attends, je vais aller le filmer celui-là. Bah oui, bah oui. Oui, on a Hermès. Hein. Exactement. Exactement. Avec son caducée. Je vais me faire écraser tout à l'heure. Je prends des risques, hein, pour vous. Hein. Donc on est bien chez Hermès. On est bien chez Hermès. Et tu sais ouais, c'est qu'on le retrouve le caducée. Le caducée ouais. En médecine. Non, à l'Assemblée nationale. Nationale, ouais. Sur le perchoir. D'accord. Et tu remarqueras le sol de l'Assemblée nationale, il est noir, blanc, rouge. Ah, j'avais jamais fait gaffe à ça, tiens. Et tu regardes là, le sol. Hein. Ouais. Avec les lions. Ah, et pour le coup Hermès, ouais. Là il est très bien représenté, hein, ouais. On voit bien. Alors, c'est pas évident parce qu'il y a du passage dans la rue. Ouais. On va aller voir. On va essayer de prendre un peu de recul, mais c'est pas évident, il y a du passage. Et hop. On va filmer par là, voir un petit peu si on peut voir autre chose. En tout cas, il y a un truc qui a beaucoup, c'est les soleils et les aigles. Il y en a... Oui, oui, soleil, on le voit beaucoup, beaucoup. Fais remarquer. Sous chaque. Hauteur des pylônes, là, au-dessus des trois aigles, il y a un soleil, ouais. Ouais. Systématiquement. Et tu as vu le plafond aussi, même le plafond, tu as vu? Oui. Il est orné de choses. Ouais, on dirait des armures, des armes. Ouais, des armures, ouais, 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 tout, ouais. À fait, ouais. Tu as raison, c'est ça. Peut-être pour représenter le côté métallique. Ah, peut-être, ouais, ouais. Ouais. Oui, c'est beaucoup d'armes, des boucliers, des lances. Des lances, ouais. des épées, ouais, ouais, des casques. Mm-hmm. Et là, on a les deux coqs. Hein. Ouais. Eh oui, le coq qu'on retrouve en France sur les églises, mais, oui, oui, mais... c'est le symbole de la France. De la France. Et donc, on dit que c'est le coq hermétique, on dit aussi que c'est le coq gaulois, mm-hmm. Mais son origine, les gallinacés, leurs origines, c'est l'Inde. Mm-hmm. Il y a plus de 8000 ans, ils étaient en Inde. Et après, ils se sont déplacés. Ah, il y a des petits visages qui feraient plaisir à Didier Colac. Ouais, très intéressant. Très intéressant. Quand on regarde de près, ouais. Oui, 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 on se pose et puis on regarde, on voit pas mal de choses. Alors, il y a... Et t'as vu, c'est la seule demeure. J'essaie de voir les lettres là. Elles sont, tu sais, au-dessus du lion là. Ouais, on dirait un. Un B inversé. Un B inversé. Ouais. Je sais pas. Un B inversé. Pourquoi ouais. Inversé? C'est vrai qu'on voit beaucoup le soleil. Hein. Toujours le... Ouais. Il n'y a pas trop de lune par contre. J'ai du mal à percevoir des lunes. Que du soleil. C'est vrai, ou alors on n'arrive pas à la... Elle est cachée, mais elle est comme Hermès, elle se cache. Ouais. Ah, mais magnifique, hein. C'est de la dentelle. Hein.
Ou alors il exprime différemment. T'as vu, le coq, c'est un emblème d'Hermès. Oui. Et c'est l'emblème français. Si. D'accord. Tu vas voir. Et c'est quoi l'emblème des pays arabes, musulmans, arabo-musulmans, on va dire. Des musulmans, en fait. Laisse-moi chercher. C'est connu, sur les mosquées, qu'est-ce qu'il y a? La lune. C'est l'emblème de qui, la lune? D'Hermès. Ben ouais. Oui. C'est interchangeable. Tu trouves Hermès dans l'Assemblée nationale, tu trouves Hermès sur le drapeau français, mm-hmm. et tu trouves Hermès sur les mosquées. C'est, il y a un lien, c'est interchangeable. Oui, d'accord, ouais, c'est ce que tu expliquais par rapport au Coran, la Bible, etc. Voilà, voilà, c'est voilà. On est en territoire commun. Mmh, mmh. Il faut juste lire un petit peu ce qui nous est proposé. Il y a beaucoup de fruits. Beaucoup de fruits aussi, ouais. Ça me donne faim, moi. C'est vrai, exactement. Je suis pas obligé de suivre, là, j'ai envie d'une salade de... une salade de fruits. On retrouve le coq, là. Ouais, encore. Les deux coqs. Non, mais de toute façon, il y a une symétrie, hein, vraiment. Après, tu vois, il y a un côté féminin et masculin, j'ai l'impression. Ouais. Mais oui, tu as raison. Voilà, hein. Voilà. T'as raison. Ouais. Un côté féminin et un côté masculin. Et au-dessus du gamin, là, on retrouve le caducée aussi. Ah oui. Ça y ressemble beaucoup. Ah oui, tu as raison. Ouais, non, mais c'en est un. C'en est un. C'en est un, exact. Mais alors, elle est où, cette lune? Ah, ben, on va peut-être pas la trouver. Hein. Ouais, pas la... Ou alors, elle est peut-être, tu sais, c'est par une allusion que le... Bon, en tout cas, merci de m'avoir fait découvrir ce... Tu vois les deux colonnes? Oui. Il y a aussi deux caducées. Au-dessus, il y a les aigles, et au-dessus. Ils sont comme ça, ils forment une croix. Ah oui. Ah, comme quoi, quand on prend le temps de voir les petits détails cachés, là. Et t'as vu, t'as trois... Au milieu, c'est comme trois couronnes de laurier qui s'entremêlent. Ouais. Et tu sais qui fait référence au laurier dans Truman Show. Avec Jim Carrey. Avec Jim Carrey, qui est aussi une allégorie de la caverne, pareil. Oui, complètement. C'est Lorraine, la femme dont il est amoureux. Ah oui, oui. Lorraine. Celle qui est en dehors de... Voilà. Qui fait tout pour le libérer. Le féminin, c'est le féminin qui vient le chercher. Qui fait tout pour le sortir de là. Mais Lorraine, ça vient de Laurence, et Laurence, ça vient de Laurier. D'accord. Et là, on passe au Qatar. Ouais. Dans 700 ans, le Laurier reverdira. Ils avaient dit ça quand ils ont disparu, il y a 700 ans. Peut-être qu'ils vont réapparaître, peut-être. Eh ben, très joli tout ça. Magnifique. Merci, magnifique. Ouais. Ah, c'est avec plaisir. C'est vraiment avec plaisir. Et c'est vrai que, ouais, comme on le dit, c'est le seul qui dépend dans le décor. mais on dirait que c'est fait exprès. Bah, oui, c'est, oui. C'est... Faudrait que je m'intéresse à savoir qui c'est ce député là qui a fait... Belle demeure philosophale. Ouais. Donc, faudra qu'on en discute ensemble par rapport à l'ouvrage de ce monsieur-là. Ouais. Christian Attard, ouais, tout à fait. Ouais. On verra. Maintenant qu'on a les vidéos, on se prendra 5 minutes. On se prendra 5 minutes, on en reparlera. On en reparlera. Okay. Allez, on continue. On continue. C'est voilà, parti. Voilà. tu sais quoi? On va les manger surtout parce que je commence à avoir faim. Hein. Allez, go. C'est vrai qu'on mange tout à l'heure. Spécialité toulousaine. Je sais pas trop. Hein, parce qu'il y a. Parce que ça fait longtemps que je suis pas venu. Hein, les restaurants toulousains. Ah, on va bien trouver. Avant, il y avait des petites spécialités, des petites, tu sais, pas des cantines, mais des petits, tu vois. Mm-hmm. Et là, ça se perd un peu, quoi. Bon, ben, on va manger. Ouais. À plus tard. À plus tard. Alors, Idriss, là, on est à l'intérieur du couvent des Jacobins. Ouais, où il y a la suite de cette exposition sur les cathares. Qu'on a commencé au musée Saint-Raymond, qui était une très belle petite expo là-bas, très thématique. Sur les cathares et sur la vie quotidienne des cathares aussi, et sur l'histoire des cathares, ça a commencé là-bas. Et là, on est aux Jacobins. Oui, on est au couvent des Jacobins. Couvent des Jacobins. Et c'est la suite, qui est magnifique. Magnifique. Que je redécouvre. Magnifique. Superbe vitraux. Qui est...
qui, pareil, a une signature octogonale à l'extérieur avec le clocher. On va le voir en ressortant. Ouais, ouais. Ouais. On se fait un petit tour d'horizon. Vas-y, vas-y. Et puis, bah, n'hésite pas à nous partager. Hein, Je pense que tu y connais peut-être un petit peu plus que moi. Alors, ce qui revient souvent sur l'état, il y a une petite toile là-bas alchimique. Oui. Du rouge, du bleu, du blanc, du noir. On va aller la voir de près. Ouais. Les cathares avaient une spécificité, c'est qu'ils étaient attachés à la liberté, à la tolérance. Il y avait une tolérance religieuse très grande dans cette région. Il y avait donc des chrétiens, il y avait des catholiques, et il y avait des juifs. Il y avait aussi des musulmans. On a des châteaux qui s'appellent Castel Sarrazin, Castel Mourou, c'est Castel Mort, Castel Sarrazin. Il y avait des juifs, il y a des catholiques. Ils étaient tolérants, ils n'hésitaient pas et ils étaient attachés. À se mélanger. Ah, sans problème. Aucun souci. Aucun souci. Ils cohabitaient. On va dire dans le respect. Ouais, et dans la majorité des cas. Ils étaient attachés à la liberté. Même les femmes avaient une place qui était enviable. Tu vois, elles étaient les égaux des hommes. Des hommes. Tout à fait. Ce qui n'est pas le cas dans certaines religions. Enfin, ce qui n'est plus le cas. Plus le cas. Au début, c'était le cas. Mais, et même il y a eu une bataille contre les cathares à Béziers. Et les catholiques du Nord ont demandé aux catholiques et du Vatican ont demandé aux catholiques de Béziers de livrer les cathares. Et bien les catholiques de Béziers ont refusé. Ils ont dit par solidarité avec leurs frères cathares. Parce que pour eux, il n'y avait pas de problème. Parce qu'ils vivaient avec eux, donc ils les connaissaient. Quand tu vis avec quelqu'un, tu le connais, tu sais qu'il n'y a pas de souci. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait la bataille de Béziers, ils ont massacré tout le monde, catholiques et cathares. Et comme ça, après, voilà. Mais tout le monde porte était ouverte à aller martyriser ces cathares. Voilà, donc, pour te dire quand même, il y avait des catholiques qui étaient tolérants aussi. Les catholiques du peuple étaient tolérants aussi. C'est les hautes sphères. Voilà, c'est les hautes sphères. Donc, oui, on a une belle toile. Ouais, hein, bleu, blanc, rouge. Et noir. Et noir. Et tu sais que le bleu, blanc, rouge, je vais faire une référence toujours pareil au cinéma anglo-saxon. Tu sais, on a cité Star Wars. Oui. Et je vais citer Star Trek. Il y a une première série avec James T. Kirk, mais il y a une deuxième série qui a cartonné avec un capitaine français. Oui, je l'ai vu. On l'a conseillé. Star Trek Next Generation. C'est Star Trek Picard. Voilà. Non, ça c'est Picard, c'est la récente. Mais dans les années 80, ils ont fait une série qui s'appelait Next Generation. D'accord. Il était jeune justement. C'est Jean-Luc. Jean-Luc Picard. Comme Luke Skywalker. Ouais. Et Jean comme Jean le Baptiste. D'accord. Jean-Luc Picard. Mais c'est pas un hasard. Parce qu'il avait un numéro un, un second, qui s'appelait William T. Riker. Et le T, c'est pour Thomas. William Thomas Riker. Et il y avait une conseillère qui s'appelait, pour ceux qui sont spécialistes de Star Trek, qui s'appelait Troy. Troy renvoie à Roy, Royal. Et elle porte, je ne sais pas expliquer, mais elle porte en fait des nattes. Elle a les cheveux ébouriffés, elle porte des nattes. C'est une référence à l'alchimie aussi. Quoi. Et il dit un truc très important sur les couleurs bleu, blanc, rouge. Il dit bien que, parce qu'on a parlé de comment il s'appelle, le robot là. R2D2, on a pensé, bleu, blanc, rouge, on a pensé. Et moi, on pense au drapeau américain, rouge, blanc, bleu. Et dans Captain Picard, il est français, il dit bien une chose, les couleurs originales, ce n'est pas le rouge, blanc, bleu des Américains, c'est le bleu, blanc, rouge des Français. Il le dit bien dans le quatrième épisode. En anglais, il faut l'écouter en anglais. Donc le bleu, blanc, rouge est bien lié à la France. Oui, mais je me suis fait les deux séries. Star Trek Picard, j'ai adoré. Quoi. Ouais. Et voilà. C'est juste une petite référence par rapport au bleu, blanc, rouge. Et on voit qu'il y a du noir. Il y a du noir en fond. Et le noir, blanc, rouge. Le bleu, blanc, rouge, c'est la couleur de l'alchimie en Occident. Et le noir, blanc, rouge, c'est la couleur de l'alchimie au Moyen-Orient et dans le reste du monde. Donc on peut intervertir les couleurs, bleu, blanc, rouge et noir, blanc, rouge. Le bleu et le noir. On peut intervertir. On peut mettre la lune et le coq, on peut intervertir aussi. C'est le symbole d'Hermès. Et on peut intervertir les couleurs aussi. Et ce qui est marrant, c'est que le jour, le ciel est bleu et la nuit, le ciel est noir. Ouais, voilà. Tu peux lier les deux. Oui, tu peux lier, exactement. D'ailleurs, c'est les deux, ils sont liés. Belle remarque. T'as vu, je suis. Ça me fait plaisir. Et là, un qui suit, c'est génial. Un qui suit. Donc voilà. On va se faire une petite balade. Il faut vraiment y venir parce qu'elle est magnifique. Elle est magnifique, c'est un couvent, c'est ça. C'est un couvent. Il y avait de la place. Hein. Ouais, on a les couleurs alchimiques. Hein. Exactement, c'est ce que je regardais. Hein, ce que j'ai remarqué tout à l'heure. On a du blanc avec ses
ces alcôves là, ces croisées, qui sont de pierre noire rouge. Ouais. Et le plafond est blanc. On a les couleurs alchimiques au plafond, exactement. Et donc là, c'est plus espacé. Comparé à Saint-Raymond, au musée de Saint-Raymond, il y a un chemin tout tracé. Et c'est plus, mais c'est bien aussi. Et là, c'est beaucoup plus espacé. Et c'est intéressant. Non, je ne regrette pas. Alors, pour ceux qui verront cette vidéo actuellement, comme on le disait, cette exposition sur les cathares, elle est vraiment bien. Cette exposition qui est actuellement à Toulouse sur les cathares, je vous invite à y aller. Ouais. C'était très instructif. Ouais. C'est pas trop compliqué à suivre. Et c'est vraiment bien fait. C'est bien fait. Ouais. Donc, on ira voir les. Alors, on est plutôt dans l'esprit catholique, mais parce que les panneaux sur les cathares sont là-bas plutôt. Mais bon, vas-y, je laisse visiter. Et t'as vu aussi la couleur de ces pierres là? Au niveau des colonnes? T'as remarqué la couleur des colonnes? Oui, tout à fait. Oui. Bleu, blanc, rouge, noir. Mmh. Et en parlant de couleurs, on peut le resignifier ici. Ce que tu m'avais dit sur l'île de Pâques, les Moai, qu'est-ce que tu m'avais dit? Alors, ils sont faits dans le tuf volcanique gris foncé, on va dire noir. Ils ont les pukao, les chapeaux rouges, et les yeux qui étaient faits avec du corail blanc. Et on est à l'autre bout du monde, là. On est à l'autre bout du monde. Et tu as vu, à côté, il y a le Quetzalcoatl en Amérique. Oui. Et le Quetzal, regardez bien les couleurs du Quetzal. C'est un oiseau. C'est un oiseau. Qui est noir, blanc, rouge et vert. Et vert. Donc, l'alchimie est bien un truc... Aux quatre coins du monde. Aux quatre coins du monde. Et au niveau du sol. Hein. Même là, c'est marqué l'octogone, tu vois. Avec un bel octogone noir. Hein. Entouré de blanc et de rouge. Ah oui, on a là la couleur parfaite, alchimique, dans ce couvent des Jacobins. Ouais. Et même le pilier, il est, je crois que octogonal. Octogonal, tout à fait. Ouais. Regarde la base du pilier. Octogonal, tout à fait. Oui, on verra à l'extérieur que cette tour qui est adjacente à ce bâtiment est octogonale aussi. Comme la basilique, c'est ça. Comme la basilique qu'on a visitée. Ouais. Non, là, pour le coup, là, c'est flagrant au niveau des couleurs. Ouais, là, c'est, là ça parle. Là, ça parle. Hein. Quand tu regardes au niveau tu prends un peu de recul, tu vois, au niveau du sol, les piliers. Et dans l'alchimie, on est dans l'universel. On n'est pas dans l'ethnocentré. Mm-hmm. Puisque le nombril du monde est partout, l'alchimie est partout. Donc, on n'est pas dans quelque chose d'ethnocentré, d'égocentré. On a quelque chose d'universel, qui concerne tout le monde, le monde entier. C'est une libération qui concerne tout le monde. Quoi. Allez, magnifique. T'as vu, je te fais découvrir des Chez toi. Merci, ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps. Intéressant de compter le nombre de... J'ai vu ça quand... Mais là, voilà. Tu vois, regarde... Au niveau des vitraux, là-bas, on a une prédominance blanc. Ouais, par la lumière. Ensuite, on vient virer sur le bleu. Et de ce Et d'un seul coup, on va sur le rouge. Ouais, il y a un marqueur là. Il y a une volonté de montrer quelque chose. Mm-hmm. Bien vu. Et j'ai retrouvé l'arche d'alliance. Ça y est. Tu viens voir. Ouais. En fait, on la cherche partout, mais elle est là. Viens voir. Ah, je commence à la voir. Non, tu l'as pas vu. Non, j'ai pas vu. Ah, putain, j'avais pas vu ça. Vous avez vu là-bas, en fait. Ah, putain, elle est là. On la cherche partout. Et en fait, elle est là. Il y a les chérubins dessus. Est-ce qu'il y a les chérubins? Ah, tu devines de petits chérubins. Ouais. Ah, ouais. On devine quelque chose, ouais. Tu vois, sur le dessus, là. Ça y ressemble. Ah, c'est Valence. Ou non, il y a des dragons. Ouais, puis c'est dragon. Ouais. Une forme de. Ouais. Elle est là, c'est bon. Bon, ça y est, c'est nous qui l'avons à Toulouse. Et en fait, cette église, à un moment donné, apparemment, pendant la Seconde Guerre mondiale, elle a servi à cacher tous les trésors des musées parisiens. D'accord. Ils ont apparemment, de ce que j'ai lu là-bas, ils les ont envoyés ici. Mm-hmm. On les cachait ici pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est vrai que c'est une région qui n'a pas été trop impactée, contrairement à nous au nord de la France où. Ici, il y avait les résistants qui faisaient sauter les chemins de fer pour pas qu'ils arrivent, les gens. D'accord. Ouais. Les résistants, ils sont. Il y a eu de la, comme partout, il y a eu aussi des résistants à Toulouse. Quoi. Et c'est une ville, justement, qui, depuis la croisade des Albigeois contre les cathares et tout ça, qui est quand même un petit peu rebelle.
Elle a gardé cet esprit. Ouais, rebelle. C'est pour ça qu'elle vote un petit peu plus centre-gauche que. Elle est à côté de ce côté rebelle. Quoi. Okay. Et compréhensible. C'était à voir. C'était à voir. Ouais, magnifique. En fait, tout le côté Qatar, c'est les panneaux, en fait. On a failli louper. Ouais. On n'avait pas vu l'entrée. En fait, on n'avait vu que le début. On a vu que le début. On a failli louper voilà. le couvent. Donc là, c'est la cour intérieure. La cour, ouais. Et on a failli louper la suite, là-bas. La suite. C'est magnifique, hein. Avec comme je disais, avec ce puits au centre, là. Ouais. Une place centrale. Des choses à nous dire. Il est bien placé au milieu. Belle bâtisse, hein. Avec un jardin qui est vraiment un jardin. Ouais, ouais. Bien entretenu, tout ça. Donc, c'est bien le couvent des Jacobins. C'est ça. L'histoire des cathares, elle a été courte mais intense. Voilà ça qu'il faut retenir. Courte, c'est tout est relatif, hein. Mais elle a été courte et intense. C'était intensément vécu le catharisme, par ceux qui le vivaient. Oui, c'est ces petits piliers hexagonaux là qui soutiennent. Défie la gravité. Ouais. Et une volonté de beau, t'as vu? Il y a vraiment une volonté de bien faire et de faire du beau. Et regarde un petit peu les couleurs de ce plafond étoilé. Le blanc rouge là. Noir. Tu vois du noir toi? Bah c'est un plafond. Ah moi je vois un bleu peut-être. Alors un bleu comme tu m'as dit, tu sais. Un bleu, entre le bleu et le noir, toi, un bleu. Un bleu bien foncé, bien tu m'avais dit. Au début. Il y a une résonance là dans le lieu. Hein? Vraiment ça pique, hein? Il y avait un truc avec les cathares, c'est qu'ils avaient tellement la foi aussi, c'est qu'ils, quand il a fallu passer sur le bûcher, ils n'ont pas hésité une seconde, pour les plus courageux d'entre eux, ils avaient tellement foi en leur... À se sacrifier. Ils se sont... Ouais, enfin, je ne sais pas qui ferait aujourd'hui, t'as un bûcher... Non, lui, eux, ils se sacrifiaient sans problème, pour les plus, tu vois, les plus téméraires, quoi. Ils n'ont pas hésité. Pour prouver, parfois. Oui, mais ils avaient aussi la foi. Ce n'est pas pour prouver, c'est qu'ils avaient vraiment la foi. Parce que faut y aller, se faire brûler, quoi. S'ils avaient conscience qu'il y a une vie après la mort, ils se sont dit bon. Voilà, ben oui, peut-être c'est pour ça. Parce qu'ils savaient quelque chose, ils avaient une connaissance ésotérique. Tout à fait, ouais. Ils n'ont pas eu peur, quoi. C'est ça. Et que, voilà, c'est comme tout le monde, tu sais, après. Hein. Intéressant de compter le nombre de piliers. Il y en a peut-être 114, Idriss. C'est une bonne question. Je reviendrai quand tu reviendras. Tu me diras. Déjà, on voit qu'ils sont doubles, tous. Oui, ils sont tous doubles. Et on voire a... quadruples, hein, au niveau du centre. Ouais, au niveau du centre. Ouais. C'est vrai. Mais il faut signifier le 4. Ouais. Et on est dans une cour carrée. Ouais. C'est aussi pour signifier le 4. 11-4, même. Oui. C'est vrai. On est d'accord que les piliers sont doubles. Ils sont doubles, ouais, on est d'accord. Après, bon, on va pas avoir des 114 partout non plus. Non. Alors, ton impression sur cette exposition
On vient de voir. Elle est très très bien, elle est très très bien. Je la conseille vraiment pour les gens qui ne connaissent pas trop l'histoire des cathares et qui voudraient découvrir ça parce qu'elle est très thématique. Elle est très bien faite parce qu'elle n'est pas saoulante. Tu sais, il n'y a pas de superflu. On va direct à l'essentiel. Elle est même interactive à des endroits, à des moments. Et même de temps en temps, bon, nous, on a des lectures un peu ésotériques sur le sujet. Mais de temps en temps, ils effleurent le sujet, tu vois, avec le Graal. On a vu avec le Graal. Et puis on voit bien qu'il y a une opposition à un moment donné, avec la croix catholique et la croix occitane. Tu sais, le choix de la bourse, qu'on a fait le petit jeu. Il y a des petits jeux interactifs. Il y a même un grand écran, c'est diffusé sur écran. Il y a même une petite salle où on peut assister au procès. Il y a une reconstitution du procès en inquisition contre les cathares et tout ça. Enfin, moi, je la conseille vraiment à tous ceux qui veulent découvrir ce monde-là, qui ne connaissent pas. Et c'est très bien fait pour ça. Pour commencer sur le sujet, c'est très très bien. Je la conseille vraiment. Et toi? Ouais, moi j'ai bien aimé parce que c'est vrai que je ne suis pas trop bercé sur ce sujet-là. Et tu te dis, oui, ils ont vraiment. Ça a dû être une période très terrible pour eux. Une croisade, c'est une croisade qu'ils ont Ouais, subie. Hein. voilà. Une Et ouais. croisade, et comme quoi l'inquisition religieuse et le pouvoir en place pour éliminer une façon de penser qui dérangeait, en fait. Ouais, tout à fait. Ouais, qui dérangeait, mais Savoir que dans ce pays de France, enfin dans cette région de France, où différents courants de pensée pouvaient vivre en communauté et s'entendre, et où la femme était à l'égal de l'homme, etc. pratiquement, on va dire Voilà, pratiquement, ouais. on était dans un petit paradis. En Oui. plus, c'est une région Sinon, magnifique. voilà, le Comme tu sud-ouest. disais, il y avait aussi un poste économique. Voilà, C'est la donc croisée des il y chemins. avait, voilà, ça devait être un petit paradis, quoi, Ouais, sur la tout à France. fait, ouais, tout à Et fait. comment Et même culturel, et même culturel aussi, intellectuel voilà, parce aussi. que tu avais cet échange avec Avec le reste de la Méditerranée. voilà, exactement. Et puis, Et, bah, parce qu'il y a comment, l'Espagne de l'autre côté, il ne faut pas voilà, oublier qu'il y a pour une l'Espagne. question de religion et puis du pouvoir en place à ce moment-là, C'est même pas de comment religion. exterminer, mais Ouais, ça a dû être c'est du pouvoir terrible. en fait, c'est pas de la Alors, ouais. religion. Là, on n'est plus dans la religion. On Religion, est ça dans veut dire le oui, relier. voilà, et là, on est Là, on est dans la là où politique. un endroit où tout le monde se reliait, Ouais. eux, ils ont. Ouais, Ils ont tout brûlé, ils ont enfin, tout fait. certains, c'est pas tout le monde, parce que comme tu dis à Béziers, les catholiques biterrois voulaient protéger leurs frères cathares. Donc on voit bien que ce n'est pas les peuples, on voit bien que c'est certains individus Ça, du voilà. clergé. Du clergé qui est Voilà. en place à ce moment-là. Et peut-être que justement, le fait que ce soit un lieu économique florissant, peut-être qu'il y a des gens du Nord qui crevaient la dalle et qui se sont dit, on va aller. Ouais, on va leur piquer cet Mais endroit. c'est un peu comme les croisades du Moyen-Orient, hein, parce que tout le monde croit que c'est peut-être religieux, peut-être, mais c'est d'abord peut-être aussi économique. Il y a des théories, tu sais, aussi. C'est une invasion économique aussi. Hein. C'était florissant aussi le Moyen-Orient à l'époque. Il y avait des juifs, des chrétiens, des musulmans. Non, mais tu vois, et ils sont arrivés là-bas, ils ont massacré tout le monde aussi. Oui, ils ont peut-être pris, comment dire, cette excuse Oui! de cette différence de nana qui n'allait pas Tout à fait, ouais. avec le courant de pensée de la religion catholique de l'époque. Voilà. La bonne excuse, et hop, on va exterminer tout le monde, Exact. on va leur piquer leur terre, on va leur piquer. Oh, Tout à fait. Et il faut pas oublier que, enfin, pour moi, donc les cathares, c'est une église gnostique qui est la sienne, hein, la On forme. parlait du dualisme, justement, je mettrai en Ouais, image. le dualisme, t'as vu, tu vois. Mais il faut pas oublier que pour moi, le Coran, c'est une apocalypse gnostique. Alors, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais pour moi, le Coran, parce que c'est une révélation, donc apocalypse en grec, ça veut dire révélation, donc c'est une apocalypse gnostique. On voit bien que le Coran lui-même, il se lie au texte gnostique, notamment l'évangile de Thomas, par exemple. Donc, et donc ça, je pense que l'Église catholique, enfin, des individus dans le clergé de l'Église catholique ne supportaient pas. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de clergé chez les gnostiques. C'est pour ça qu'il n'y a pas de clergé. C'est pour qu'un point de vue ne prenne pas qu'on appelle ça, le pouvoir sur les autres points de vue. En fait, c'est une forme de démocratie religieuse. C'est-à-dire que tous les points de vue ont le droit d'exister, toutes les lectures, littérales et ésotériques et hermétiques. Mais il ne faut pas de clergé, il ne faut pas qu'il y ait un point de vue qui l'emporte sur l'autre. Et c'est ce qui s'est passé en islam, là. Il y a un point de vue soutenu par les Américains, c'est le roi Ben Salman qui le dit d'Arabie Saoudite. Il dit, ce sont les Américains qui nous ont demandé d'imposer notre point de vue en formant des milliers d'imams pour aller conquérir le monde musulman. Et maintenant, on se retrouve avec une lecture ultra-littéraliste. Mais bon, c'est l'époque qui veut ça, c'est comme ça. Mais voilà, c'est très intéressant, je la conseille vraiment. Alors voilà, nous sommes la réincarnation d'un moine cathare avec un moine musulman. Qui nous promènerons tranquillement dans ce couvent. Magnifique, magnifique, Voilà. magnifique symbole. Dans ce couvent catholique, Catholique. même s'il y a des signatures octogonales, hermétiques. C'est ça. Et Mais voilà, voilà, on tout un peut, on peut, symbole. on peut cohabiter même avec des courants de pensée différents qui,
et plus tu te relis. Voilà. Exactement. Voilà. En tout cas, voilà. On vous conseille, voilà. Venez nombreux. Oui, exactement. Mais on va reprendre toutes nos conversations parce qu'on va essayer quand même de d'explorer tout ça d'un point de vue un petit peu plus hermétique. Oui, ah, c'est vrai. Ouais. On va revenir au titre de cette vidéo quand même. Ouais. Mais on va reprendre notre conversation un petit peu plus tard. Allez, okay. Allez, à plus. Bon, bah, Idriss, hein, tu m'as fait découvrir du coup Toulouse que je connaissais pas. Super jolie ville, la ville rose. Que tu croyais connaître. Je me suis trompé. Non, mais c'est intéressant, cette chose-là. Parce qu'on croit savoir. Voilà. Et... Tu vois, on croit savoir des choses. C'est pas pour te. Non, mais. On est tous pareils. On est tous pareils. On croit savoir des choses. Mais en fait, on l'a vu hier. Hein. On en parlera. C'est vrai. C'est... Bah, on peut en parler. Ouais. Parce que hier, pour la petite histoire, on a fait cette prise de vue de l'hôtel de Pierre. Ouais. Demi-heure philosophale à Toulouse. Ouais. Et puis pour la petite histoire, donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que on a fait une première prise de vue. Ouais. Donc on a regardé ensemble cette façade, on a essayé de la décoder, mais on n'a pas vu grand-chose. Et puis on est reparti. Et puis là, je m'aperçois gros bug avec la caméra, j'avais rien filmé. Je dis mince, bon, tant pis, on l'a refait. Ouais. Et comme quoi, on l'a refait. Et finalement, tu vois, une deuxième lecture de cette façade nous a permis de voir des choses qu'on n'avait pas vues. Qu'on n'avait pas vues la première fois. Et qui étaient là. Et qui étaient là pourtant sous nos yeux, mais on ne l'a pas vu. Comme quoi, tu vois, c'est bien, il faut parfois une deuxième lecture. Troisième, quatrième, cinquième lecture. Voilà, voilà, comme et certains films, comme on. Film, livre. Livre, toile de peinture. On va voir une première fois, donc on le prend au premier degré. Ouais. Et puis quand on reprend la chose, et puis qu'on l'analyse avec un œil différent. Différent, ouais. Et là, ah mais je l'avais pas vu. C'était flagrant. C'était flagrant. Ah, l'Hermès, on l'avait pas vu. Voilà. Le Caduci, on l'avait pas vu. Et je répète plein de fois le Caduci. Oui, en plus, et tu vois, on bloquait sur des trucs. Et Hermès, il était là devant nous. Et on l'avait pas et vu. On l'avait pas vu. Et d'un coup, on a vu Hermès apparaître. Voilà. Donc, merci ce petit bug de ma caméra, parce que si on l'avait pas fait. Bug de la matrice. Bug de la matrice. Parce qu'on l'aurait pas vu, en fait. Non, si on n'avait pas fait cette erreur. Cette deuxième lecture. Ouais. Eh ben, on serait passé à côté. On serait passé à côté. Donc, c'est bien. En fait, on a eu, c'est très symbolique pour moi, on a eu une première lecture exotérique. Mmh. On a essayé de regarder, mais on n'a pas vu. On a vu certaines choses. Mmh. Mais on n'a pas vu la marque hermétique. Et bug de la matrice. Et on revient, et deuxième lecture, plus ésotérique, plus hermétique. Et c'est comme ça que ça a lieu. Mmh. Il y a plusieurs couches. C'est comme plusieurs ça que ça couches. Fonctionne. Ouais, tout à fait. C'est ça. Non, vraiment, j'ai trouvé très intéressant. Bon, alors, tu me le disais, c'est vrai, contrairement à certaines villes ou certains lieux où là, ça saute aux yeux, il y en a partout des symboles. Toulouse est plus, reste plus mystérieuse. Beaucoup plus mystérieuse. Oui. Voilà, c'est pas mis aux yeux de tout le monde. Non. Alors qu'il y a eu une histoire, apparemment, hein, d'après certains articles que j'ai lus, par exemple, d'abord, il y a une histoire gnostique très forte, parce qu'il y a eu des cathares dans toute la région du sud de la France, et Toulouse en fait partie. Donc, et le gnosticisme, c'est ésotérique et peut-être hermétique, je ne connais pas trop, mais voilà, il y a une face cachée, par exemple, de l'histoire de Jésus chez les gnostiques, qu'ils interprètent différemment. Mais il y a surtout et les Rose-Croix qui sont arrivés à un moment donné, au XVIIIe siècle, qui se sont installés ici. Bon, il y avait des farfelus, tout ça, mais voilà, mais il y a quand même la Rose-Croix qui s'installe ici. Et il n'y a rien qui transparaît. Mais par contre, en plein milieu de Toulouse, il y a cette place. Capitole qu'on a vu. Voilà, qui est un double carré. Et je rappelle que 114, c'est le 1 qui se répète deux fois, double, 4. Et en géométrie, double 4, c'est double carré. Un double carré. Et la place du Capitole est un double carré. Elle est rose avec une croix au milieu. Moi, j'entends rose-croix. Oui, voilà, après c'est mon interprétation la personnelle. La signature des rose-croix. Voilà. Voilà. Ça veut dire qu'on ne dit pas, mais on dit. Peut-être que je me trompe. Hein, et donc, j'ai cette impression-là. Comment une ville qui est aussi, qui a une histoire ésotérique aussi forte, rien ne transparaît. Alors que tu me disais, je me rappelle plus le nom de cette personne qui a fait plusieurs villes de France, voire d'Europe, pour avoir cet enseignement, et il dit c'est à Toulouse que j'ai reçu l'enseignement. Voilà. Alors moi je suis pas, je le connais pas. Je sais que c'est Christian Doumergue qui l'a rapporté ça. C'est qu'il y a un Américain des États-Unis qui a créé une société rosicrucienne, pas Rose-Croix, mais rosicrucienne. Mm-hmm. Il a fait tout le tour de l'Europe, et il signifie dans son livre que c'est à Toulouse qu'il a reçu un enseignement ésotérique rosicrucien. Et la morgue, ça s'appelle la morgue, c'est un truc qui est mondialement, oui, la morgue, c'est ça. Alors je connais pas, je sais pas trop, je sais qu'il y a plusieurs mouvements rosicruciens pour faire la différence avec les roses croix,
Donc il travaille beaucoup sur, aussi sur la symbolique, et tout ça, d'après ce que j'ai lu. Hein. Et le gars, il dit qu'il a appris toute sa connaissance à Toulouse. Donc c'est bizarre quand même. Oui, donc ça Voilà. veut bien dire qu'il se passe quelque chose à Toulouse, Voilà, mais qui n'est pas mais dit. qui n'est pas dit. Voilà. Ouais, Alors peut-être pas de façon. Mais il se passe des choses. En fait, partout il se passe des choses. Hein. Mais à Toulouse, il se passe quelque chose, quoi. Mais le surnom de Toulouse, c'est la ville rose. La ville rose. Et moi, bon, ça peut paraître capillotracté ce que je vais dire, mais tu vois, quand on parle du granit rose, comment d'Égypte, qui Ouais. a servi à construire énormément de temples, etc. Non, mais il faut oser, il faut oser. Ouais. Extérieurement, il est rose. Mais Ouais. quand on se rapproche, on se rend compte qu'il est fait de trois éléments, le quartz, le mica et le feldspath. Donc le Ouais. quartz blanc, le mica noir et le feldspath rouge. Les couleurs Et de les couleurs alchimiques. alchimiques. Voilà. Voilà. Non, mais il faut oser, hein, parce que et moi, bon, c'est que de la symbolique, hein, et c'est que ça n'est que mon interprétation. Pour aller dans ton sens, c'est qu'on avait dit, tu sais, que le 114 se répétait dans, je rappelle, ce Capitole. Il y avait deux colonnes qui se répétaient quatre fois. Donc on a 11, 4. Et pour moi, le 11, 4, le double 4, c'est aussi la dualité. Le double carré, noir et blanc. Donc on a le noir, le blanc et le rose qui est signifié. Donc c'est sous-entendu. Ça va dans ton sens. C'est-à-dire que ce qui est montré par le granit rose, mais il faut, Il faut s'approcher, il faut rentrer voilà, dedans, quoi. il faut faire un Ouais, un zoom. petit zoom. Oui, Voilà, c'est ça. il faut pas avoir peur de faire un petit zoom. Et d'ailleurs, on l'a vu hier, on l'a vécu. C'est un vécu. On a fait une première passage avec la caméra, la Voilà, demi-heure on philosophale n'a qu'on rien a vu. vue. Deuxième passage philosophale. Ah merde, on n'avait pas vu ça, On on était avait passé à pas. côté. Eh Mais oui. il faut zoomer. Il faut zoomer, c'est ça. Il faut zoomer. Et on a vu hier sur la page du Capitole comment le 114 renvoie à la croix du zodiaque. On l'a vu Oui, hier. Hein. On a expliqué, c'est ouais. très clairement avec les 12 signes Ouais, du zodiaque. Ouais, voilà. Le 11, le 114 qui s'inscrit dans un ternaire, 666, 6 fois 6 fois 6, 216, tu rajoutes un 0, tu as une ère zodiacale. Exactement. Voilà. Donc il faut, en fait, il faut pas avoir peur. En fait, ce qui nous est demandé, c'est faut pas avoir peur de pousser le bouchon, en fait. En fait, il nous invite à, viens, 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 rentre dans le délire. Tu Rentre dans vois, le lire, c'est ça. pousse le bouchon, pousse, tu vas voir, tu vas comprendre certaines choses. À notre niveau, hein. À notre niveau, moi, je suis un fils de prolo, tu vois, je suis un petit fils de paysan. Donc, j'utilise le matériau qui est dans ma réalité à moi, c'est-à-dire le cinéma, les textes sacrés, parce que c'est des textes destinés au peuple. Hein. C'est une forme initiatique. Il y a Jung qui disait, il a créé le processus d'individuation. C'est ce que vit Néo. C'est le processus, quelque part. Hein. Il vit ça, c'est-à-dire qu'il se déconditionne, il se libère, en étant libre, il peut manifester son potentiel, il peut utiliser son propre potentiel. Et Jung disait, mais moi je l'ai créé pour les athées. Mais il disait que dans les traditions, dans les religions en fait, hein, mais cachées, le processus il existe. Mais il faut être initié à ces choses-là. Et partout, dans toutes les traditions. Alors, on a vu cette exposition sur les cathares. Moi, j'ai trouvé ça Excellente, excellent. excellente, pardon. Ouais, j'ai été agréablement surpris. Qu'à un moment donné, je mettrai comment cette photo que j'ai prise. Il parle du dualisme chez les cathares, C'est les cathares, qui ouais. renvoie au gnosticisme. Ouais. Qu'est-ce que tu pourrais nous en dire là-dessus? Alors, comment dire, donc ce qui apparaît, c'est que bon, chez les gnostiques, c'était pas la même vision que chez les catholiques. Il y avait un dualisme, tu vois. Et c'est ce que signifie ce nombre 114, double 4. C'est le dualisme, tu vois. Et comment dire, ce dualisme, il faut en sortir. C'est, tu vois, dans la tradition soufie. Par exemple, tu sais, tu m'as raconté que, par exemple, quand tu es allé à Notre-Dame-de-Chartres, tu as enlevé tes chaussures pour faire Le le. labyrinthe. Voilà. Et tu m'as dit que c'était parce que c'était une raison énergétique. Et moi, j'ai vu autre chose. Dans la tradition soufie, et dans l'islam, quand tu enlèves tes chaussures pour rentrer dans la Dans la mosquée, mosquée, c'est exact. pour laisser ton dualisme à l'extérieur et ne faire qu'un. D'accord. C'est aller vers l'unité. Sortir du dualisme et aller vers l'unité. Et je pense que les cathares avaient comment on appelle ça, cet enseignement. Et c'est pour ça qu'ils s'y accrochaient. Parce que les cathares, ils ont été, bon, pratiquement effacés de l'histoire, quoi. Faut être honnête, Oui, hein. ouais. Ils ont été effacés de C'est pour ça l'histoire. que c'était très intéressant cette exposition qu'ils font. Ils remettent Hein. À en Toulouse, lumière. tu vois comment ils étaient. Non seulement tu sentais que ça les avait. Ça, que le Ça les a tra marqués, le, ouais. et que le traumatisme est toujours présent, hein.
Parce que les cathares, ils ont été... 800 ans plus tard, c'est toujours présent. Quoi. Toujours présent. Tu as vu, hein? T'as vu, il y avait carrément une deuxième... Il y avait un premier à Saint, au musée Saint-Raymond, où il y avait une générale, c'était plutôt plus général, et ça expliquait bien l'histoire des cathares, un petit peu la croisade, mais beaucoup le vécu au quotidien. Avec, et au couvent des Saints... Là, c'est Jacobin, là, on rentre vraiment dans le... Ouais. Et t'as vu, il y avait un petit truc interactif, un petit jeu interactif, où le catholicisme et la croix occitane étaient mis en opposition. C'est-à-dire qu'ils sont conscients, tu vois. Ça les a marqués. Ouais, ça les a marqués. C'est une région où ça... Surtout voilà. Que bah, c'est le mauvais côté qui a gagné, on va dire. Je dis pas le mauvais côté, je suis pas fort du jugement, mais disons, voilà. Je veux pas être négatif. Oui, ouais, voilà. C'est l'histoire qui veut ça. C'est l'histoire qui veut ça. Et attention, il a gagné, mais pour combien de temps? Parce qu'il y a une tradition Qatar qui dit que... Tu m'en parlais, justement. Ouais, qu'un jour, le laurier, dans, tu sais, un des derniers personnages Qatar célèbres qui est... Avant de mourir, il a dit que le laurier refleurira dans 700 ans. Non, pas refleurira, reverdira la couleur verte. Le laurier reverdira la couleur verte, tout son symbole, dans 700 ans. Ou dans 700 ans, le laurier reverdira. Ça veut dire que peut-être qu'un jour, cette tradition, hein, Kata, gnostique, va renaître de ses cendres. Mais dans cette, voilà. Et on voit comment je dirais, la religion chrétienne aujourd'hui... Non, c'est pas la religion chrétienne. Non, enfin, le clergé catholique. Le clergé, bah, c'est souffle, perte de. Ah ouais, complètement. Les églises sont vides. Hein. Les églises sont vides, c'est ça. Faut être honnête, les cathédrales sont vides. Bah, complètement. Complètement vides. Mais attention, faut pas. Tu sais que les mosquées sont pleines. Non, c'est pas ça. Les mosquées sont pleines. Mais c'est un enseignement très littéral. Très de base, en fait, tu vois. Parce que, premier degré. Quoi. Voilà. Premier degré. Et n'oublie pas que l'islam s'inscrit dans un ternaire monothéiste, mais l'islam s'inscrit aussi dans un ternaire intérieur. Tu vas comprendre, l'islam, l'imen et l'ihsan. Et les gens vont comprendre quand je vais parler de ilique, psychique et pneumatique, qu'on retrouve et chez les platoniciens et chez les gnostiques. C'est trois niveaux. En fait, l'islam, c'est que le premier niveau. C'est une illusion, en fait. L'islam, c'est une illusion. C'est ce qu'on appelle la forme. Mais c'est pas le fond. Et donc, les gens, quand ils vont à la mosquée, ils y vont de manière très sincère. Hein. Attention, hein. Ils veulent très bien faire, les gens. Oui. Tu vois? Et même à l'église. Bah, comme à l'église. Comme à l'église, comme partout, tu vois. Mais l'enseignement, il est pas complet. Donc, tout le monde ne va pas à Notre-Dame. Parce que le lien entre une cathédrale, qui est une Notre-Dame, Et l'islam, c'est que le Coran commence, le premier mot qui apparaît, c'est la matrice. Et une cathédrale, l'autre nom de cathédrale, une cathédrale est une matrice. Ah ok, je ne savais pas. Donc tu vois, il y a... Et chaque livre, la Bible hébraïque, la Bible, chrétienne et la Bible et le Coran, commence par le mot matrice. Les trois, mais c'est signifié. Il faut aller le chercher, les trois. Les trois livres. Donc on vit bien dans une matrice. Alors, c'est ce qu'ils nous disent. Ouais. Une matrice illusoire. Et les autres. Enfin, les téléspectateurs de Matrice te connaissent par rapport aux deux émissions qu'on a fait ensemble sur le film Matrice. Ouais, je vais expliquer pour le Coran, parce que c'est important pour le Coran que j'explique. Parce que c'est vrai que quand on lit le Coran, le premier verset qui apparaît, c'est par le nom de Dieu, le miséricordieux et le très miséricordieux. C'est pas faux, hein, mais c'est pas tout à fait vrai parce que c'est une traduction chrétienne, ça. Et tu vas comprendre pourquoi. Donc, c'est une religion, c'est une forme religieuse. Sauf que, en arabe et en hébreu, hein, en arabe, par le nom de Dieu, le très miséricordieux, le miséricordieux, c'est Rahman. Et il y a une racine trinitaire commune au judaïsme, et à l'arabe, c'est Rahama. Et en hébreu et en arabe, Rahama, c'est l'utérus. Okay. Et l'utérus est une matrice. Mais écoute. Bien sûr. Et donc, la première version, elle est totalement masculine, mais la deuxième version, on passe par le nom de Dieu, la matrice. On passe du masculin au féminin. Et là, on est dans une autre religion. L'importance du féminin. Qui n'est pas signifié, ou alors par la Vierge Marie, tu sais, un petit peu. Mais, et d'ailleurs, un des Templiers qui est mort, il disait, laissez-moi voir la Vierge Marie, le féminin. L'importance du féminin. Tu as vu dans Matrix, dans Truman Show, dans Fight Club, les femmes sont le symbole du féminin, elles sont très fortes. Oui. Évidemment, enfin,
dire par là, si toi, on parle des croisades, machin, c'est toujours des hommes qui allaient faire la guerre, ouais, qui défendaient le steak. Le steak, quoi. Sauf ouais. que ces hommes ne seraient pas là s'il n'y avait pas la femme qui les avait enfantés. Oui, par exemple. Donc, on oublie un petit peu aussi. Mais ça, c'est la forme. C'est les religions dirigées que par des hommes. Oui, le côté patriarcal. Voilà. Voilà. Mais le problème, c'est que les femmes, non seulement elles sont absentes, mais elles ne veulent pas prendre leur place. Il y a aussi ça aussi. Dans le fait religieux, je parle dans les traditions. Parce que on n'est pas dans le dogmatisme, dans la spiritualité. Et les femmes, elles ne veulent pas prendre leur place. Il faut être honnête. Hein. C'est-à-dire qu'elles ont toute leur place, mais elles ne veulent pas la prendre. Alors, c'est vrai que les hommes, ils ne veulent pas. Bon. Ils ne veulent pas non plus. Voilà. mais le féminin est très présent dans le fait religieux. Comme on a vu chez les cathares, la femme était à l'égal de l'homme. Alors, selon certaines sources. Voilà. Il y avait. Tout à fait, c'était une femme libre. Hein, la femme cathare. Une femme libre. Et la femme soufie aussi, d'ailleurs. Il y a Rabia al-Adawi, qui est, tu vois comment je passe par là, qui est une sainte soufie du 8e siècle, et qui a vécu une petite aventure, là, qui est sympa à raconter, c'est que elle disait que. Un jour, elle était vénère, on est au 8e siècle, elle était énervée, et très énervée, et elle se baladait avec un seau d'eau dans la main, et une torche enflammée dans l'autre main. Et les gens, ils disaient, mais tu sais, j'étais bon, parce que c'est une sainte soufie, mais qu'est-ce qui t'arrive, Rabia? T'es vénère, pourquoi t'es vénère? Et c'est quoi ces ustensiles, à quoi ils te servent? Et elle leur répond un peu véhément, le seau d'eau, c'est pour aller éteindre le feu de l'enfer, et la torche, c'est pour aller brûler le paradis. Parce qu'on ne va pas à Dieu, la matrice, par intérêt ou par peur. On va à Dieu, la matrice, par amour. Non, mais c'est elle qui dit ouais, ça. C'est ça. Et c'est une sainte soufie. C'est quelqu'un de très Rabia al-Adawi. Là, c'est fort, quoi. Elle dit c'est le chemin qui verticalise. C'est ça. Ouais, la verticalité, il se fait que, et c'est ce que vit Neo dans Matrix, hein, c'est une verticalisation. Et il y a Trinity. Hein. Sans Trinity, c'est le féminin. Trinity. Oui, et c'est elle qui lui fait découvrir, rencontrer Neo, etc. Elle est le symbole du féminin. Exactement. La force du féminin. Puissance du féminin. Alors justement, je sais que tu voulais qu'on parle, qu'on reprenne un petit peu le code Matrix par rapport à tout ça. Ouais. Alors, t'as vu qu'on a parlé un petit peu dans la discussion, on a parlé de R2-D2. Oui. Hein? Entre autres. Et voilà, R2-D2. On a vu que dans Star Trek, Jean-Luc Picard, qui est un Français. Qui est un Français. Non, mais c'est fait exprès. Oui, c'est fait exprès. Ouais. C'est un Français, et pour signifier que tout commence en France. Et il a une conseillère qui s'appelle Troy. Comme tu le disais, ouais. Voilà, qui renvoie à roi et à royal, à l'art royal, à l'alchimie. Et bon, j'espère, enfin, je t'enverrai un slide, et tu verras qu'elle a un bandana aux couleurs noires, blanc et ocre. Et il forme des nattes. Une natte. Et c'était un attribut de Marie-Madeleine. Tu vois? Et il dit bien donc que les couleurs américaines, ouais, comme tu expliquais tout à l'heure. Rouge, voilà, blanc, rouge. À la base, c'est les couleurs françaises. Bleu, blanc, rouge. Et on est dans Matrix. Il y a Morpheus qui propose une pilule rouge et une pilule bleue. Et de quelle couleur sont les paumes de la main? Donc on a le rouge, le blanc et le bleu. Maintenant, tu inverses. On a le bleu, le blanc et le rouge. Et c'est quoi le symbole français de la France? C'est le coq. C'est un symbole mercuriel, c'est Hermès. D'accord, on l'a vu hier. Donc c'est Hermès, et l'autre symbole de Hermès, c'est la lune. Qu'on retrouve en islam, dans les mosquées, et on a en France le coq. C'est interchangeable. Oui, comme on voilà. Et la lune, c'est 28 jours. D'accord. Ok. Et les mains, elles sont reliées. Il y a combien de phalanges? J'ai pas compté, mais... Il y en a 14 et 14, 28. Ok. Donc Hermès ici. Et tu te rappelles, on avait dit que quand on est dans l'allégorie de la caverne de Platon, tu sais, il y avait pas, les mains étaient détachées. Oui, ils avaient les mains libres. Et c'est par les. En fait, on se sauve soi-même. Et bien, c'est par ses propres mains qu'on se sauve. C'est par soi-même. C'est ça que ça signifie. Et pourtant, c'est un film très populaire, Matrix. Et d'autres, bien sûr. Par exemple, Marla dans Fight Club, Marla, le personnage féminin très fort, renvoie à Marie-Madeleine. Marla, Marlène, Marie-Madeleine.
Et c'est, voilà. Petit clin d'œil à Marlène qui verra cette vidéo. Donc, elle signifie Marie-Madeleine voilà. aussi, tu vois. Elle est, et c'est récurrent. Alors, on cite les films les plus connus, Fight Club, même Leïla, la princesse Leïla. Ouais, tu disais, ouais. La princesse Leïla, elle a des nattes. Bon, voilà, ces trucs-là. Mais elle est souvent représentée avec des nattes. Je t'enverrai des slides, tu verras. Et les nattes, ça renvoie à Marie-Madeleine. C'est un des attributs de Marie-Madeleine. Les nattes, les cheveux ébouriffés, et les cheveux roux. Alors, on a eu une petite discussion hier soir ensemble. Ouais. À quoi ça sert tout ça? Mais moi, en fait, tout a commencé justement à cette période-là de ma vie. C'était il y a 25 ans. Comme tout le monde, on a tous des périodes où on s'éteint, en fait. On a tous, où la vie n'a plus de sens. Mais vraiment. Et ce que je ne savais pas, moi, à l'époque, c'est que le soufisme m'a appris. C'est que quand on vit une grosse dépression comme ça, où la vie n'a plus de sens, et le soufisme dit que quand vous avez une grosse dépression comme ça, c'est que Dieu n'est pas loin. Moi, je ne savais pas. Et donc, petit à petit, je me suis intéressé à des nouvelles choses à laquelle je ne m'intéressais pas du tout avant. Et notamment l'ésotérisme. Et ça m'a redonné un nouveau sens dans la vie. Mais vraiment, un sens profond. Oui. Mais beaucoup plus profond. Oui. En fait, la vie d'avant était une totale illusion. Même si, bon, voilà, on la vit intensément. Comme tout le monde. Métro, boulot, dodo. Femme, enfant, chien, maison, travail, voilà. Et puis, en fait, tu es en train de t'éveiller. Quoi. Et puis, ça vient à toi. C'est même pas toi qui cherches. C'est que ça vient à toi. Oui. Tu es prêt pour entendre. En fait. Voilà. C'est comme si la vie te faisait un croche-patte. Voilà, pour dire, bon, allez, c'est le moment. C'est le moment d'entendre. Pour toi. Et pas pour d'autres. Et c'est ce qu'un peu vit Néo, tu sais. Néo, on croit qu'il a le choix. En fait, il n'a pas le choix, Néo. Il pilule rouge direct. Voilà. Il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Lui, vraiment, voilà. Après, nous, on a le choix, bien sûr, à notre niveau. On a le choix. Mais lui, c'est signifie les élus, ceux qui sont élus. Alors, je ne connais pas, moi, personnellement. Mais ceux qui sont élus, eux, ils n'ont pas le choix, par contre. Eux, ils savent très bien leur direction à prendre. Les vieilles âmes et tout ça. Et ça me sert donc à avoir un... Ça donne un nouveau sens dans ta vie. Alors, tu veux arrêter. Tu dis, bon, c'est des trucs de barjo. C'est des trucs de fou, tu vois. Mais sauf que quand tu veux t'arrêter, il y a une information nouvelle qui vient, tu vois. Par exemple, tu sais, pour donner un intérêt à tes petites recherches, quoi. Non, mais pour te relancer. Pour te relancer, quoi. Ouais. Ouais, par exemple, tu sais, t'as vu la vidéo que je t'ai envoyée sur, je vais te dire pourquoi tu es là. Oui. La musique. Parce que tu as un savoir que tu ne t'expliques pas. Voilà. Mais qui t'habite. Voilà. Mais qui t'habite. Un savoir que tu ne t'expliques pas, mais qui t'habite. Peut-être parce que notre âme a déjà vécu des vies antérieures. Et c'est engrammé en toi, En nous tous, hein. Oui, c'est-à-dire que capte de l'information, notre âme capte de l'information, et petit à petit, bon, on s'élève spirituellement. Bon. Et là, il y a des fois, tu te dis, mais attends, à un moment donné, il faut arrêter les délires, là. Mais par exemple, tu sais, dans cette vidéo, tu as vu, les lettres arabes sont sur les lettres hébraïques. C'est Allah et Yahvé, tu l'as vu. Mais en fait, c'est un rapport mathématique. C'est-à-dire que les lettres hébraïques contiennent 22 lettres, et les lettres arabes, 28 lettres. Et les lettres arabes, avant, avaient 22 lettres aussi. Donc, c'est une fraction 28 sur 22. Et il s'avère que 28 sur 22, ça fait 1,272. C'est la racine carrée du nombre d'or. D'accord. Et là, tu dis, bon, non, c'est bon, c'est bon. Ouais. Tu réduis la fraction. Tu tiens 14 onzième. 14 onzième, c'est la pente de la grande pyramide. Oui. C'est le profil de la grande. Et là, tu dis, non, c'est... Bon, d'accord, c'est bon, j'ai compris. Et c'est tout le temps comme ça. Comme on l'a vu hier, on a vécu avec la demeure philosophale. Ouais, c'est hôtel de pierre, ouais. Voilà, un niveau, deux niveaux, trois niveaux. Et voilà. Si on y retourne, on va voir d'autres trucs qu'on n'aura pas vu. Non, mais c'est ça. C'est exactement ça. Une fois que l'œil il est exercé, après, il capte des choses que tu vois pas en premier. Voilà. Non, tu vois pas, et puis même tu veux même plus voir à un moment donné. Mais ça te revient à toi, parce que t'es non, mais même quand tu fais ta propre vaisselle, tu fais ta vaisselle. Ah putain, j'avais pas pensé à ça. C'est vrai. Ça t'arrive, toi aussi. Je pense que tu mets ton cerveau dans un état modifié de conscience, même si c'est en faisant la vaisselle, qui fait que, clac, le truc, il t'arrive. Quoi. Exactement. Tu ouvres les portes et le machin, il tombe dessus. C'est pas toi. Ça vient pas de ta tête, voilà. Ça vient de là-haut. Il y a quelque chose qui te... Il t'envoie quelque chose, une info.
Et donc, mais tu t'arrêtes plus après. Et en plus, tu vois, ça te nourrit à l'intérieur, ça te change. Parce que tu vois, tu te rappelles, tu m'avais parlé de ah, l'île de Pâques. Oui. Tu m'avais dit que l'alchimie, voilà, ouais. Les statues du Moai étaient noires, ouais. Les yeux blancs, ouais. Les trucs rouges. Et ça m'a rappelé que juste à côté, en Amérique latine, il y a, t'as vu, il y a une pyramide, il y a le fameux Quetzalcoatl, d'accord, le dieu. Et en fait, le Quetzal, c'est un oiseau d'Amérique latine, et il est couleur noir, blanc, rouge et vert. La couleur du secret. La couleur du secret, mais le noir, blanc, rouge. Le noir, blanc, rouge. De l'alchimie. Il est tout vert. Oui, oui. Et puis en dessous, en fait, t'as raison de dire, parce que lui, il est tout vert. Et puis il ouvre ses ailes. Là, il est noir, blanc, rouge. Comme le drapeau égyptien. Comme la France, bleu, blanc, rouge. Voilà, le drapeau égyptien, noir, blanc, ouais. Rouge. Au milieu, on pense que c'est un aigle, mais en fait, c'est un gypaète. Ouais. Donc, un oiseau, ouais. Qui a les couleurs alchimiques, noir, blanc et rouge. Rouge. Et rouge. Ouais, ouais, non, mais, voilà. Non, mais oui. Et en plus, gypaète, c'est l'anagramme d'Égypte. Ben voilà. Non, mais tu vois. Et tu me parlais aussi du Japon. Tu me parlais aussi du Japon. Oui. Il y avait des couleurs alchimiques au Japon. Oui. Donc, c'est bien un truc, l'alchimie. Universel. Universel. Mmh. Enfin, qui a été dit sous des formes différentes. Ouais, ouais. Voilà. Nous, en France, on est parti sur l'alchimie opérative avec. Ah non, pourquoi pas? Non, je sais pas, je connais pas trop. Voilà. Mais bon, mais pourquoi pas? L'alchimie, je dirais, oui, Nicolas Flamel, tu vois, qui ouais. Cherchait de l'or, etc. On est parti plus là-dessus. Mais au final, le message, il est le même partout. Mais change-toi-même, change-toi toi-même, quoi. Oui, je pense qu'il a été adapté aux cultures, aux civilisations. Oui, tout à fait, ouais. Parce qu'on est tous différents sur la planète. Donc, ouais. Il fallait qu'il s'adapte au lieu. Ben oui. Oui, oui, c'est pour ça. Peut-être que nous, les Européens, on est plus matérialistes. Donc, on a dit, allez, on va adapter le truc de manière ouais. Opérative, à faire de l'or, du plomb à l'or. Mais la symbolique est toujours là. Au final, le but recherché est le même. Voilà. Mmh. Et justement, en parlant de ça, de méthode d'instruction, en ce moment, on attaque beaucoup le prophète sur... Et toi, tu vas comprendre. De suite, tu vas comprendre. Sur une aventure qu'il a eue avec une fille qui avait entre 6 et... Enfin, il a épousé une fille qui s'appelle Aïcha. Aïcha, ça veut dire la vivante, la pleine de vie. Donc ça c'est pas la pleine de vie, la vivante, tu vois. Et Aïcha, il a épousé, elle avait 6 ans, et il a consommé le mariage, elle avait 9 ans. Mmh. Non mais... Et rappelle-toi que tout est illusion. Et Marie-Madeleine, un de ses attributs, c'est qu'elle était rousse. Uh-huh, et le oui. Roux renvoie à l'alchimie. Et Aïcha, l'autre nom de Aïcha, c'est la rousse. Ça me rappelle une série que je regardais petit, Zora la rousse. Est-ce que c'est un hasard? Je veux dire. Mmh. Et même en faisant mes recherches, je me suis rendu compte qu'en Occident, il y a des ésotéristes qui ont travaillé le sujet et qui la considèrent comme une voie initiatique. En fait. Ils ont compris, eux, en Occident, qui travaillent sur la symbolique, que c'était une voie initiatique. En fait. D'accord. Et, tu vois, et là où tu vas comprendre, c'est qu'elle est rousse. Donc elle est blanche. D'accord? Oui. Et la deuxième épouse du prophète, donc c'est la troisième épouse. Aïcha, c'est la troisième. Mmh. Et la deuxième épouse du prophète, qui était très amie avec Aïcha, s'appelait Saouda. Et Saouda, en arabe, t'as vu, c'est la rousse, c'est direct. Hein. Et Saouda, en arabe, ça veut dire la noire. Ah. Donc, on a noir, blanc, rouge, l'alchimie. Okay. Oui, tu vois bien, mais c'est adapté. Symbolique, ouais. Voilà. Oui. Mais c'est une fille. Rappelle-toi, l'alchimie, c'est un jeu d'enfant. Oui. Et Squid Game, le film, la série Squid Game, en bas, il y a marqué un sous-titre. Squid Game, A Child's Play, un jeu d'enfant. Voilà. Donc, et le prophète et Aïcha, ils aimaient jouer ensemble. Donc, on est bien, ce qui signifie, c'est bien la voie alchimique. Parce que 6 et 9, tu sais, c'est symbolique le chiffre 6 et 9. Mais bon, on en parlera un jour. Mais 6 et 9, c'est très symbolique. Oh, super intéressant. En alchimie. Non, ça renvoie au yin, au yang et au cancer, tu sais, dans le maître et la lune. Le cancer, c'est la lune. Un jour, peut-être qu'on en parlera. Alors, pour terminer cet échange, ouais. Je sais que tu es en train d'écrire un livre. Oui, tout à fait. Alors, ça fait 2 ans que j'ai écrit. 2 ans que tu es dessus. Mais tu avances. Non, mais oui, c'est ça. En fait, ça fait 2 ans que j'ai écrit ce livre, mais parce que à chaque fois, je me dis, il y a un truc nouveau qui vient.
Ça, c'est très souvent le cas. Hein. Quand voilà. tu écris un bouquin, voilà. plus tu avances dans la rédaction de ce livre, plus tu as des choses nouvelles qui arrivent. Et, ouais. bah, je suis obligé de les mettre dedans. Et, et ça compte. Oui, mais parce que ça donne des informations supplémentaires. Parce que et bah, oui, exactement. Parce que tu dis, je peux pas. Oui, je suis obligé de le mettre dedans. Tu es obligé d'étayer. Donc là, ça rallonge la rédaction. Quoi. Bah, surtout mais... là, on est quand même dans des films. Comme je dis, moi, mon domaine. Oui, le substrat de ce bouquin, ça sera quoi? Eh ben, c'est ça, c'est le code de la matrice. D'accord. Expliquer pour expliquer un petit peu. Alors, le substrat, c'est ma volonté à moi, c'est d'expliquer aux gens que tout est lié. Ne vous fiez vraiment pas aux apparences. Mais vraiment pas aux apparences. Oui. Très souvent, on essaye de tout cataloguer, de tout séparer. Mais ouais. En fait, tout est lié, quoi. Ouais. Exactement. Ouais. Tu te rappelles que je disais tout à l'heure que plus personne ne va à Notre-Dame et dans les cathédrales et dans les mosquées, même si elles sont pleines. Et non, c'est vrai qu'elles sont pleines, les mosquées. Et plus personne ne va à Notre-Dame. En fait, je voudrais expliquer que, apparemment, symboliquement, plus personne. Tu connais la phrase, ce film français où si tu ne vas pas à Lagardère, c'est ça? Lagardère, non, pas Lagardère, viendra à toi. Ah oui, si tu, oui, je sais. Tu vois? Oui. Eh bien, alors moi, j'ai l'impression que si on ne va plus à Notre-Dame, c'est Notre-Dame qui est. Non, mais elle est en train de venir à nous. Mais on la juge, on ne la voit pas. Tu te rappelles, Léa, elle avait un voile dans Star Wars. Ouais. Et le voile, c'est très, très, très important. Donc, si on ne va plus à Notre-Dame, c'est Notre-Dame qui est en train de venir à nous. Donc, quand ce livre sera terminé, moi, je t'invite avec grand plaisir sur Horus pour en faire la promotion et puis de l'explorer ensemble, même si déjà, tu nous as rendu pas mal. mais si tu as effleuré pas mal de bouquins. Ouais, mais voilà, bon, voilà. Je pense que... ça sera au moins un condensé de tout ce que tu as acquis depuis toutes ces années, en fait. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Alors, je vais essayer de faire simple, par contre. Je vais pas essayer de faire compte. Parce qu'il y a aussi le fait de, quand tu écris un livre, faire très simple. Oui. 150 pages maximum. Oui. Ouais. Pour essayer d'expliquer, voilà. Un condensé, mais simple. Voilà, simple, parce que le livre, ça va pas assez vite, tu sais. Donc, il faut faire un livre. Et ce sera avec un grand plaisir. Et donc, voilà. Moi, je me suis fixé une date limite, le 31 août, pour le finir. Tu seras le premier à le recevoir. Ah bah, grand merci. Un grand merci. C'est moi qui te remercie. Ouais, j'ai passé un bon moment avec toi à Toulouse. C'était agréable. Voilà. Bon, même si le temps, il n'était pas trop rendu. Non, il y avait un absent. C'était le soleil. Ouais. C'était pas avec le soleil. Pour une fois. Mais moi, ça ne me change pas de la Normandie. Ouais, donc, j'ai habité autant, j'avais mon paradis. Mais tu sais, nous aussi, depuis 6 mois, il a pas de pouvoir. Ça va changer. Ça va changer, espérons-le. Et moi, demain, je monte sur Cajar pour aller retrouver tous mes amis. Participer à ce festival, les rencontres de l'inconnu. Voilà. Et ben, un grand merci, Idriss. Et où tu vas faire une conférence? Où je vais donner une conférence, ouais. Exactement. Puis tu la partages avec nous après? Et oui, je la partagerai sur Horus. Super. Ça, c'est promis. J'irai avec Christophe et Antoine. On va faire les captations de toutes les conférences et je vous la partagerai sur Horus. Ce sera avec un grand plaisir. Voilà. Tu m'as mis la bouche. Par rapport au thème, ouais. Sommes-nous seuls dans notre dimension? Voilà, moi, ça m'intéresse. En rapport avec Matrix, tout ça. Ouais. Donc, moi, je suis très intéressé. Dans un monde d'illusions. Beaucoup, même. Beaucoup. Merci, Idriss, pour ton accueil à Toulouse. Merci. Et puis, à très bientôt. À la rentrée. Jérôme, à la rentrée, j'espère. Ok, j'espère. Ça marche. Ce sera avec un grand plaisir. Ça sera partagé. Merci. Merci à toi. À très bientôt. Ciao.